On n'attend pas. Sûrement qu'on va rester là, il y a un discours qui nous sert. Ok. Après, le tout premier homme sur terre. Lorsque la vie s'en va. Avant la vie, on va se faire la chair. Lorsque nos yeux. Je dirais également que je vais faire la chair. Lorsque nos yeux. La tête est aux zoka. Volume. Volume. Aba, qui est en train Samukatanga,
so yemba wo peki sangate o yebite misika samba lokotanga pole yemba buye soki na koma ko sambela sambela wo peki sangate o yebite misika samba swanga pole sambela buye soki na koma ko bina bina wo peki sangate o yebite makambo samba sambela pole bina buye samba na so bina na azan samba musolo Oyo na sako yembela Yembe samba libela Samba na so yembela Azan samba bosolo Oyo na sako te ya Yembe samba libela Lele 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 Kune langa yeso yeso Kune langa yeso yeso Kune langa yo yo
de l'officier de l'État civil. Nous excusons pour les retards, donc voilà, nous on était sortis depuis le matin, mais ce n'est pas facile par rapport aux charges et aux responsabilités. Et nous avons fait l'essentiel et on a pour permettre la cérémonie de nous défendre sur le cœur. Et on va répondre après avoir terminé cette cérémonie de mariage. Alors, nous sommes très prêts, nous sommes tous heureux d'être dans ce cadre, dans ce beau cadre, pour la cérémonie du mariage civil de notre frère. Moukina, exactement Cédric, et mademoiselle Kangawe Lolo. Je pense que aussi, vous aussi, vous êtes aussi dans la joie, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous êtes dans la joie, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est une élévation. Quand une personne est élevée, vous devez être dans la joie. Et c'est ce qui fait notre patrimoine étant en couple. Lorsque une personne est élevée, notre problème du mal à applaudir, on peut applaudir d'autres fois. Derrière, on commence à mijoter, à dire autre chose. Mais l'homme blanc, lorsque un de leurs est élevé, certainement ils vont l'appuyer. Et c'est ce que le socialiste appelle les maillons de la chair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire tourner un vélo sans pourtant qu'il puisse avoir ces différents chaînes qui s'embrassent ou qui font le brassage. S'il n'y a pas ce brassage-là, il n'y aura pas, comme on dit, le tour. Donc pour qu'il y ait le tour, il faut qu'il puisse avoir ces maillons de la chair qui sont en train de tourner. Pour faire avancer les choses. Et c'est la même chose pour nous les humains. Quand une personne est élevée, nous devons être dans la joie, nous devons être toujours dans cette effervescence pour montrer que l'Éternel a choisi qu'aujourd'hui nous soyons élevés. Et les lendemains, ça sera aussi notre tour. Et lorsque vous êtes notre tour, aussi les gens aussi vont manifester la joie. Alors, nous allons commencer notre cérémonie. Je pense qu'il y a des différents invités à vos titres respectives. Nous vous disons une fois de plus bonjour. Alors, la cérémonie, nous commençons d'abord par le point de vue public et puis on va revenir sur l'état civil, sur les différents postulats ou les différents éléments qui concourent à la cérémonie du mariage. Alors, je vais rappeler aux célibataires, ils doivent se considérer jusqu'à ce encore pas mariés. C'est-à-dire que vous êtes célibataires, vous êtes devant une audience correcte publique. C'est-à-dire à la fin de la cérémonie que nous allons savoir si réellement l'identité a totalement changé ou l'identité initiale reste intacte, n'a pas changé. Alors, pour que les choses évoluent, ça dépendra plus de vous deux. Nous sommes venus ici pour créer un verdict. C'est-à-dire le verdict est entre vos mains. C'est-à-dire que tout ce qui va être coulé ici comme une décision, ce sera la décision qui va être un élément commun, consensuel, de vous dire notamment qu'ils sont encore des célibataires. Ce n'est pas pour rien que vous avez un petit repos et petit repos pour montrer que jusque-là vous êtes encore mademoiselle et monsieur. Mais lorsque vous allez signer l'acte de mariage, certainement l'identité va changer. Ça sera madame et puis ça sera époux, n'est-ce pas? Alors lorsque vous allez entendre l'officier de l'État civil parler des petits repos, cela ne vous choque pas parce que jusque-là vous n'avez pas encore un document qui atteste réellement que vous êtes marié. Et pas. Alors, à ce qui concerne le mariage, une chose est vraie que nous tous nous inspirons de la Bible. Alors, si vous lisez Genèse, je pense que 1:26, vous commencez par 24, 6, en bas 26, vous allez voir que lorsque l'Éternel a créé la terre, tout était bon. Il avait voulu qu'il puisse avoir un gestionnaire, celui qui gère tout le bien qu'il a mis à sa disposition. Et la personne qu'il avait créée, c'était l'être humain. Et pour cette raison, l'Éternel veut toujours partager sa gloire. Et comme il veut partager sa gloire avec une personne de sa ressemblance, il a tout prié. Il a voulu que l'on soit à la, aux gestions de ses biens. Permettez des moments pour vous briser par rapport à un orgueil, par rapport à beaucoup de choses. C'est pour cette raison que lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que l'homme a dit qu'il a joué. Il est venu maintenant créer la femme. Lorsque l'homme a dit la femme, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et puis, le fait de voir la femme, l'être créé à son ressemblance, l'homme était très content. L'homme était dans la joie. C'est pour cette raison que, même dans la vie, lorsque l'homme est accompagné de sa femme, je pense que c'est parmi les meilleures choses qu'on peut vivre dans le monde, n'est-ce pas? Et quand on est accompagné, ça fait aussi la joie et ça donne une certaine équilibre, une certaine responsabilité et respectabilité dans la société. Parce que pour se marier, ce n'est pas facile. Et quand tu fais un choix, tu le bien que. Il n'y a pas toujours du positif dans le mariage. Le mariage, c'est la mutualisation des défauts et des qualités. On ne se marie pas parce que vous êtes meilleur que les autres. Non, on se marie parce qu'on a trouvé des convergences d'idées sur un certain nombre de divergences. Cela veut dire quoi? La convergence a eu la primauté. La mise en termes de la tante, la mise en termes de par rapport à la
C'est comme dans l'examen, n'est-ce pas? Il peut y avoir un examen. Il peut y avoir un examen de plusieurs cours. C'est-à-dire, vous avez réussi dans d'autres cours, mais il y aura soit des cours que vous n'avez pas pu faire de bon pourcentage, n'est-ce pas? Mais c'est là, lorsqu'on va faire la sommation de points, tu peux faire 60% ou 70%. Tu peux aussi distinguer, mais tout le temps, en ayant aussi des points faibles au niveau d'autres cours, n'est-ce pas? Donc c'est pour cette raison que vous devez savoir dans la vie. Vous n'êtes pas en train de se marier parce que vous êtes meilleur ou vous allez rencontrer des meilleures choses. Non. Vous avez trouvé une certaine convergence. Et l'Éternel aime le genre. Je vous ai donné le pouvoir d'assujetter sur tout. Tout ce qui circule, tout ce qui respire, tout ce qui rampe. C'est-à-dire quoi? L'Éternel, il vous a donné un pouvoir de dominer sur tout ce qui existe sur ce monde. Question de savoir que vous avez le pouvoir dans un bon sens, vous allez voir l'élégance, mais aussi l'avantage du pouvoir. Et il ne faut pas s'en abuser. C'est pour cette raison, l'Éternel vous dit aujourd'hui, il vous a élevé, mais vous devez être toujours reconnaissant. N'est-ce pas? L'élévation vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu, vous devez l'utiliser pour sa gloire. N'est-ce pas? Si vous pouvez oublier, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui est fidèle. Alors, si toi, tu pars là, tu te dis que non, ah, bon, si vous la sécurisé, en tant que fond, ça la bouche. Merci beaucoup. Et voilà. Et les autres, le diable n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est un Dieu. Mais le diable a besoin des informations, il a besoin des infiltrations pour avoir. Donc vous voyez même lui dire que c'est une créature de Dieu. Plus créateur ce Dieu. C'est-à-dire même lui-même, il est la conséquence de l'envie et de la jalousie. Parce qu'il était tout près du Seigneur. Mais il a vu la voix, il voulait aussi que ce soit lui. Non, dans la vie, lorsque l'Éternel est venu laisser. Je ne sais pas pourquoi. Le fait de vouloir combattre la personne qui est venue. Vous voyez le présent de l'Éternel voir le futur. Il sait que tu peux être un canal par lequel les autres peuvent être là et les autres. Alors, au niveau de l'état civil, qu'est-ce que nous pouvons dire? Voilà, si vous lisez l'article 230 du Code de la famille, il est clairement dit que le mariage est un acte civil public légal par lequel deux personnes s'engagent, si seulement si les deux personnes ne sont pas membres d'une même famille. Je pense que lorsque vous voyez le projet de mariage, on dit projet, c'est-à-dire. Dans notre pays, les gens qui s'engagent dans le mariage, ils doivent être des gens qui ne sont pas membres d'une famille ou les gens qui ne sont pas ici d'une même famille. Alors, je ne sais pas si vous êtes membre d'une même famille. Mon papa s'est dit, est-ce que vous êtes membre de la famille, maman? Beaucoup de canaïs. Un peu m'assurer, ben, j'ai abondé. Voilà. Nous sommes seulement au troisième niveau. Parce que les premières étapes, les anakis disent nos premiers niveaux. Et puis, deuxième niveau, c'est tous les parents. Et voilà. Vous avez dit non, en tout cas, nous devons officialiser la chose. Maman, alors, les anakis vont m'aider? Voilà. Donc, je pense que la timidité va appuyer. Avec les temps, vous allez s'habituer. Voilà, ça va venir avec les temps. Alors, en d'autres termes, on peut dire ceci. Les mariages, c'est une union entre des personnes, un homme et une femme, qui se choisissent de manière volontaire en vue d'établir entre et une communauté de vie que la loi va la sanctionner. Ils ne peuvent jamais rompre de leur propre gré. Le fait de venir devant l'officier de l'État civil, ce n'est pas notre souhaité. On est capable maintenant d'être ensemble, d'habiter ensemble, de cohabiter ensemble, dans un même ou un congénère. Pour cette raison que vous êtes béni devant l'officier de l'État civil. Donc le mariage, c'est une union entre deux personnes. Quand on dit union de deux personnes, cela veut dire que vous êtes en train de se débarrasser d'une certaine dépendance des parents. J'aurai toujours quelque chose à dire et j'aurai toujours la bénédiction. N'est-ce pas? Même si la bénédiction dans la famille n'est pas toujours proportionnelle. L'Éternel ne bénit pas tout le monde de la même sorte. Non, il n'y aura jamais une bénédiction au même niveau pour tout le monde. Non, il y a toujours une pyramide. Il y aura celui qui sera plus élevé que les autres. Il y aura d'autres qui seront bénis, mais qui seront à moitié, disons, au milieu des pyramides. Il y aura d'autres qui seront dans les pédestals des pyramides. C'est ça la vie, c'est la loi de la nature, c'est la manière que l'Éternel a créé le monde. Et vous devez vouloir se conformer par rapport à ça. N'est-ce pas? Alors, dans les mariages, il y aura des moments de tumulte. Les moments difficiles arrivent. Ne pensez pas seulement qu'il y a toujours la gloire dans le mariage. Mais la Bible dit dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme vertueuse, elle trouve le bonheur. Maman l'a dit, revenez. Les abonnés. Mais une chose que vous devez savoir, pour la robe est pour le maquille. Il faut se mélanger ma robe. Le robe n'est pas la tibou, elle est l'eau et signe. C'est-à-dire, il faut mis ce chapitre pour nous sommes à robe, pour nous sommes à cabello, pour nous sommes à la robe. Non, c'est tout.
tu dois aussi parler. Ne nous fais pas l'impression comme si tu es le plus timide et tout le monde. Non. Les mariages n'est pas quelque chose de timidité. Toi, avec timidité, on n'aura pas les enfants, n'est-ce pas? Ouais, il faut chasser la timidité. Non, ce n'est pas ça. Alors, il faut avoir du courage, n'est-ce pas? Ça va venir avec le temps. S'habituer de vivre avec une femme, ce n'est pas facile. Pendant le temps, vraiment, c'est 5 mètres et 10 mètres. Mais après un certain moment, tu vas commencer à voir ça normal. N'est-ce pas? Mariage, une femme, jamais te comparer à une année de mariage. Et ils ont beaucoup d'expérience. Beaucoup de gens ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Toi aussi, tu dois aussi faire un effort, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, parce qu'ils ont fait ça. Alors, tu dois parler, n'est-ce pas? Hein, papa s'est dit, on fait du monde à d'autres? On fait du monde. Papa, pas du monde à Zali? Ah, voilà. Attends, maintenant, je vais faire un peu de monde à elle. Papa Mbaka, oui. Romantizo et Papa Samba, Bougoudi, Agali, Papa Bougoudi, les mains. Papa, vous avez ce modèle, ce modèle. C'est vraiment une joie, comme nous le disons toujours, une joie immense. Ça fait la joie de s'aimer et de récolter. Il y a d'autres gens qui ont semé mais ils n'ont pas pu récolter, les autres sont venus récolter à leur place. C'est le destin de Dieu. Mais il y a d'autres, l'Éternel a permis que tu sois vivant et que tu récoltes. Vous avez des joies différées. Vous avez la vie, c'est mon souffle ou au ratat la vie. Il faut que je sois ma malade, mon lui, qui est dans de mon enfant. Dans son bébé, il en bas. Alia, pour santé dans la malade. Pour la lobby, ma fille, comme on a eu une amateur. N'est-ce pas? Et au lieu de l'eau, on a un peu ce bon adot. Moses. Il est en train de manger l'herbe de tes mains. Il est en train de manger ce qu'on appelle la conjugaison de vos efforts pendant l'encadrement. Et c'est ça la fierté, n'est-ce pas? Et je pense que si vous avez des doutes concernant l'homme en question, aujourd'hui il n'y a plus de doutes, n'est-ce pas? Et je pense que quand tu avais écouté les choses que l'on marche ensemble, il n'y a pas de doutes, en tant que parent, quand même. Et surtout avec le fils, il faut toujours être un peu rigoureux. Faut pas, avec le fils, il faut toujours serrer la ceinture parce que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, vous avez le fruit, je pense qu'ils vous ont honoré. Et je pense que tout au long de leur mariage, hein, pendant qu'ils vont toujours vivre leur mariage, ils vont toujours vous honorer. Papa, vous prenez en avant. Voilà, donc ça, c'est un élément. On appelle ça les critères essentiels ou critères de fond. En deuxième lieu, on parle de l'article 350 du consentement du mariage. Il est clairement dit que le conjoint est de tous les années. Et quand il y a un jour, on va changer mon chien. Il y a un jour, on va changer mon chien. Il y a oh, parce qu'il m'a coûté, a changé de... Ok, ça va donc, vous-même, vous êtes prêts à séquencer les mariages. Maman et Thérémon, vous êtes aussi d'accord à séquencer les mariages. Maman et Thérémon également. Je pense aussi que les parents, vous êtes d'accord à séquencer le consentement du mariage. Mais vous signez avec vous, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, on parle de la capacité de contacter les mariages. Ensuite, de vous accepter, il est clairement dit, seulement la personne qui a atteint 18 ans ou au-delà de 18 ans. Je vous vois à tenir davantage, je ne sais pas si vous êtes démunis. Alors, je ne sais pas quel est l'élément qui va nous attirer les mariages. Vous allez manger. Moi, je ne sais pas. Hein? Papa, je dis, je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Le projet de mariage, c'est une bonne chose. Et on ne sait pas si vous avez modifié certainement. On peut voir les signes que vous avez qui n'est pas. Je suis porté à une carte de lecteur. Ah, vous avez une carte de lecteur. Hein. Oui, madame, vous avez votre carte de lecteur. Ici. Vous pouvez le montrer. Vous consignez, voilà. On vous consigne au fur et à mesure de l'état civil, il y aura des pénalités. Et vous ferez un PV à la fin. Voilà, on fait foi de ceux qui ont inscrit dans leur projet de mariage. On regarde le projet de mariage. Et certainement, alors, on voit l'homme en question. Et exactement, et aussi la femme. Et en dernier lieu, c'est article 334 de la famille qui parle
du caractère monogamique interrogé. Il est clairement dit que chaque personne est libre de faire son choix. Et choisir la personne à qui il veut se marier à une telle condition qu'il soit de sexe opposé, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au Congo, quelle que soit la dimension où tu as le moyen, mais on se marie à une seule femme et à un seul homme. C'est-à-dire, selon la loi, on reconnaît une seule femme légitime et un seul homme légitime. Et le mariage en question, on l'appelle caractère monogamique interrogé. Mono veut dire seulement un. C'est-à-dire, vous nous formez pour faire mon corps. Interroger le désir seulement qui va sur Bazan Ibusso Nabiso, Azan Moisina mon bail. Et c'est ce qu'on consente, devant nous, à droite il y a un homme, et à gauche il y a une femme, et ils ne font qu'un seul coup. Ce sont les éléments essentiels, les quatre, qui sont tellement fondamentaux pour qu'on fasse la cérémonie du mariage. Il y a aussi les éléments de forme, notamment la droite que vous avez cherché, n'est-ce pas? C'est une condition de forme, mais seulement ça n'influence pas votre acte de mariage. C'est pour votre prestige, n'est-ce pas? Vous avez dit, on a la sainte aile à vous, c'est le plus petit, comme vous avez dit, ça n'influence rien. Voilà. Alors, on va demander au couple de se mettre debout, on va pas tout comme ça, oui, mettez-vous debout. Tenez-vous les deux mains. Les anneaux, présentez les anneaux. Papa, on va jouer là-bas. Nous, tout dans la drone, il y a la drone qui est en bambou. Et en bambou. Certainement, on va vous poser une seule question en attendant la drone. Pablo, on a vu nous hier. Oui, pour les gens, on va avoir une simple représentation. Mais l'amour, c'est vos cœurs qui sont ici. Alors, monsieur Cédric, on va vous poser une question. Alors, on va vous poser une question. Voilà. Alors, on va vous poser une seule question. Vous allez dire oui. Si vous voulez du mariage, si vous ne pouvez pas vous dire non. N'est-ce pas? Alors, monsieur Moukina, qui vous dit oui. Acceptez-vous de prendre ma demoiselle Kanga Wolo, l'homme qui se présente pour votre épouse? Oui, je vous en prie. Voilà, on est au quart du chemin. On a encore l'homme du bout du chemin. Voilà, doucement, on est en train de rentrer vers quelque chose qui vient. Alors c'est le tour de mademoiselle Kanga. Mademoiselle Kanga Wolo, acceptez-vous de prendre monsieur Moukina qui vous Cédric qui se présente pour votre époux? Oui, je l'accepte. Voilà, donc il a pris acte et étant donné qu'ils sont le nez à l'âge de la majorité, c'est-à-dire que selon la loi, les gens qui peuvent poser les actes civils ou commerciaux sont les gens qui doivent atteindre l'âge de la majorité, nous prenons acte de leur décision. Et en ma qualité de l'officier de l'État civil de la commune de Galé, je déclare que M. Moukina Cédric et mademoiselle Kanga Wolo sont illégalement par les mariages civils en date du... Toutes mes félicitations aux deux autres couples. À marcher! À Cologne! Bon. Oh, dictionnaire. Lorsqu'il a dit, attends,
Je ne saurais pas prendre quelques secondes ici pour l'amour. C'est quand moi ça simulait. Pour l'amour que je te porte. Hier, je te disais, je te ma femme. Ça s'est fait. Une phrase utopique pour le zèbre. Somme. Une vraie réalité pour nous aujourd'hui. Fais-le-moi un vrai homme en vous. Je te garantis non seulement une sécurité, mais une vie de bonheur dans le meilleur et dans le pire. Elle, okay, volume. La reine Elisabeth II. Les époux doivent habiter ensemble et consommer leur mariage, n'est-ce pas? Voilà, les promesses du mariage, ça commence à partir de février. Alors, je vous avais dit au début, il faut chercher. Yeah.
Oui, M. Moukine est en train de signer son acte de mariage. Et la police, s'il vous plaît. Yeah.